Cette année, on n'a pas réussi à se qualifier. Et, il nous reste juste à jouer pour nos supporters, pour au moins leur donner le sourire dans cette compétition et bien finir la compétition ici à Mayol. Après, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas arrêté aussitôt. Mais bon, c'est comme ça. Cette saison, c'est difficile et on fait avec. On a besoin de tous les matchs pour essayer de travailler, de trouver des certitudes. Donc effectivement, après, il n'y a qu'à repenser peut-être au match aller, voilà, où on avait sombré collectivement et individuellement. Donc j'espère que là, on sera présent et à la hauteur, comme je le dis, de l'événement. Puisque la Coupe d'Europe est quelque chose quand même qu'à Toulon qu'on ne peut pas galvauder, ne serait-ce qu'au moins sur l'investissement et l'état d'esprit. Non, ce qui est bien, ce serait bien, ce serait de continuer sur la même attitude qu'on a eue au Racing. Être un peu plus juste dans notre jeu, c'est ce qui nous manque. En ce moment, c'est compliqué parce que c'est des enchaînements de petits détails qu'on n'arrive pas à maîtriser, qui nous font sortir du match et souvent perdre. Donc si on pouvait avoir plus de maîtrise dans notre jeu et garder l'esprit qu'on a eu au Racing, ce serait bien. Oui, j'espère qu'on sera, qu'on répondra à présent déjà au rythme que va essayer d'imposer Dembourg. Voilà, chose qu'on n'avait pas réussi à suivre au match aller. Donc là, il va falloir vraiment qu'on élève notre niveau, qu'on soit plus compétitif dans certains secteurs, notamment sur tout ce qui est replacement et jeu sans ballon. Voilà. Parce que c'est une équipe qui met énormément de vitesse, leur championnat aussi est fait pour ça. Donc gros danger. Si on est passif, c'est une équipe qui va prendre le jeu à son compte et qui va de suite être en confiance. Donc le mieux, c'est de soigner de suite l'entame de match. C'est une très belle équipe. On a pu le voir. Ils ont des très bons joueurs dans toutes les lignes. On connaît moi je connais le coach. Donc je sais un peu comment il les a préparés toute la semaine. Donc ça va être un gros défi pour nous. C'est vrai que pour une fois, on ne sera pas favori chez nous à Mayol, mais à nous de relever le défi et à leur gâcher la fête. Quand on prend l'initiative, j'ai l'impression qu'on est plus à l'aise dans l'initiative que dans la gestion. Voilà, parce que gestion, ça demande beaucoup de précision, beaucoup de confiance, beaucoup de certitude, on en a très peu. Voilà. Et par contre, quand on prend des initiatives, on est un peu plus à l'aise, on arrive à produire des séquences et des choses intéressantes. Donc voilà, donc alors autant pas laisser l'initiative à l'adversaire et se rassurer très vite sur les possessions de balles.